Bonjour, bienvenue c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Évidemment que je le sais, que je te les ai pas encore montrés cette année les Turkestanus, mais les belles choses, ça se laisse désirer, ça se savoure. Après cette grosse vidéo des FAQ de la semaine passée, il est temps de repartir à 200% dans les fourmis. Et pour reprendre le rythme, j'avais envie de vous montrer ma plus belle espèce, les Coponotus turkestanus. À mon sens, et jusqu'à maintenant, peut-être que les Maculatus pourront rivaliser, mais à mon sens, les Turkestanus sont la plus belle espèce que l'on peut maintenir en élevage à l'heure actuelle. Au niveau, en tout cas, des couleurs, le comportement, ça, vous verrez, c'est un peu plus différent et un peu plus compliqué. Alors, évidemment, mes Turkestanus, après 2 années pleines d'élevage, elles se trouvent aujourd'hui dans mon nid fétiche, la Quadricity. Elles occupent un quart de la surface à l'heure actuelle. Elles ont passé une diapause normalement qui demande à être très fraîche, mais en ce qui me concerne, elles ont passé une diapause de 3 mois en dessus de 10 degrés, mais moins que 15. Donc des températures relativement clémentes pour le peu que j'en sais sur cette espèce, puisqu'elle demande normalement une diapause très froide. Attention tout de même, parce qu'il est de notoriété que les Turkestanus viennent des steppes de Chine, mais vous pouvez également trouver sur les îles grecques. Donc si vous n'êtes pas au clair de la provenance de votre colonie, faites attention avec les diapauses excessivement trop froides. Elles sont maintenues dans un nid avec un taux d'hygrométrie de 50%. Alors j'ai fait la part des choses. Et pour le moment, elles se sont installées au niveau du couvain sur la partie sèche du nid. C'est vrai que la zone humidifiée est relativement peu fréquentée à l'heure actuelle du level de développement de cette petite colonie. Tout va très bien, le couvain est plus que généreux, mais il est vrai que le développement est très très lent, il faut avoir beaucoup de patience avec cette espèce. En ce qui concerne l'observation, c'est pas plus folichon non plus, elles sont très très timides dans l'ADC. En général, elles viennent se nourrir la nuit. La journée, j'ai peu d'activité dans l'ADC et pas beaucoup de loisirs pour faire de belles observations. Donc, pour le moment, c'est vraiment une espèce très timide, la plus timide parmi toutes les espèces que je peux maintenir dans la Formicarum. Par contre, la grande différence par rapport à d'autres Coponotus, c'est que, en tout cas pour ma colonie, le polymorphisme est arrivé très tôt. On peut voir déjà des majors, alors pas forcément les gros modèles, mais on voit vraiment une grande différence de taille au sein, je dirais, de la vingtaine d'ouvrières présentes à l'heure actuelle. En ce qui concerne la nourriture, eh bien, c'est 50% de gelée protéinée et 50% d'insectes. Que ce soit l'un ou l'autre, elle ne se jette pas dessus, mais au vu du développement et de la générosité du couvain, elles se nourrissent parfaitement bien avec ce régime alimentaire. Donc je vais continuer sur cette lancée puisque tout va très bien. Ça fait maintenant quelques mois que je n'ai pas vu de mortalité. Je dirais que j'ai pas souvenir depuis que je les ai avoir vu une ouvrière morte. J'ai eu une phase de cannibalisme, je vous l'avais montré d'ailleurs l'année passée en vidéo, mais mis à part ça, aucune mortalité. Donc, je pense que je tiens le bon bout. La fourmière Quadricity semble leur convenir parfaitement bien puisqu'elles peuvent choisir la zone humidifiée ou la zone sèche à loisir et tout semble fonctionner à merveille. Malgré tous les défauts que je peux trouver sur cette espèce au niveau de son comportement, tout est compensé par la beauté de cette espèce. Elle est vraiment magnifique. Donc, est-ce que je pourrais vous conseiller les Coponotus turkestanus? Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas avec elle ou alors préférez d'autres espèces et prenez des turkestanus comme fondation d'appoint.
parce qu'il faut une patience à toute épreuve. Je me réjouis aussi d'arriver dans la période de l'été à voir si le développement va augmenter. Je me rappelle qu'une année, c'était surtout en automne. Donc, elle reste vraiment étonnante et surprenante, surtout par manque d'informations, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, c'était un peu le suivi des Coponotus turkestanus. J'avais vraiment envie de vous partager cette vidéo. Ça faisait un moment qu'on ne les avait plus vues sur la chaîne, mis à part une petite vidéo de fiche d'élevage. Donc, tout va très bien pour cette petite colonie. Je suis relativement fier de l'avoir au sein de la Formicarum. Sinon, n'oublie pas de lâcher un petit like si tu aimes ce que je fais. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description de la vidéo. Allez, porte-toi bien, surtout plein de bonnes choses pour tes colonies. Et à tout bientôt, bye bye.